Un récent projet de découpage administratif du territoire malien suscite des débats à travers le pays. Dans un document non signé et déposé à l'Assemblée nationale, 20 régions sont prévues contre 10 actuellement. Certaines organisations de la société civile de Gao, Koro, Tombouctou et d'autres encore n'ont pas manqué de manifester contre les 10 projets. La démocratie donne beaucoup d'avantages. Premier avantage, c'est le dialogue, c'est la concertation. Donc tout acte qui va dans un découpage ou qui engage la nation, je crois qu'oblige le gouvernement à une large concertation des uns et des autres. Tel n'a pas été le cas. Si les détracteurs du projet de redécoupage administratif dénoncent une manœuvre politique à visée électoraliste, d'autres acteurs rappellent que ce projet avait été initié sous la présidence de l'ancien chef d'État, Amadou Toumani Touré. C'est une polémique qui n'a pas besoin d'être existée, qui n'a pas son sens. Parce que la loi qui existe aujourd'hui, c'est la loi 2012-017 et la loi 2012-018. Qui ont été promulgués le 2 mars 2012, tout ce qui est en train de circuler sur les réseaux avec les autres propositions par rapport aux régions, aux cercles, aux arrondissements, pour dire que franchement, ça n'a pas l'objet d'être. Des sources officielles, ce projet de loi vise à décentraliser et transférer les compétences aux régions maliennes, ce conformément aux accords de paix d'Alger de juin 2015. Une mission de sensibilisation sur le projet est envisagée.